You're not a power dork. You're a fish. Yes, I'm terrible. It's unbearable. You're just a phony and I want you to explode. You're the purple brain. Don't be hard to stay. We got the time to explain. Alors salut à tous, bienvenue sur le live. Deux choses. La première, c'est que je suis fatigué et j'ai envie d'aller me coucher. Mais je suis encore là, je sais pas pourquoi. Et la deuxième, c'est que je suis super content de lancer ce jeu. Pour la simple et bonne raison que dans la vie, il y a beaucoup de choses que j'aime. Mais les gobelins, c'est ici. Tout en haut, tout en haut, tout en haut, quoi. C'est, voilà, y a rien de mieux au monde qu'un gobelin, je trouve. C'est perfide, c'est pas beau, c'est rigolo, et voilà, quoi. C'est tout ce que j'aime. Bref, donc Styx, Master of Shadows, était un excellent jeu. Il était vraiment excellent, une IA de merde, vraiment, une IA au ras des pâquerettes. Une IA qui pouvait te voir à 20 milliards de kilomètres alors que tu étais dans le noir, ça c'était fantastique. Les mecs avec des yeux bioniques, mais un scénario super intéressant, un personnage fabuleux, super bien mis en scène, super bien doublé, super bien animé. Enfin, moi je trouvais personnellement, peut-être un peu lourd, mais c'était vachement cool. Il y a un scénario excellent, vraiment, vraiment, vraiment super bien écrit. super bien écrit, et puis une fin qui était excellente aussi, quoi. Bref, en tout cas, Styx, Shard of Darkness. Alors, je sais pas ce que veut dire le mot Shard. C'est pas grave, mais, c'est la suite, et on lance ça ensemble. J'espère que le son sera pas très fort, que ma caméra ne bouchera pas tout le reste. Alors, réglage adapté pour les joueurs souhaitant découvrir l'infiltration, donc non. Pour les vrais gobelins, la parade est désactivée, les ennemis vous détecteraient rapidement, attention, vos attaques au corps à corps peuvent vous tuer d'un coup, oulala. Ouais, on va mettre en initié, hein. Ah, j'aurais pu jouer en gobelin, mais on va se calmer, quoi. Oh, cinématique. Oh. Ah. That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guards' monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. Huh? Oh non, le pauvre! Le pauvre caf... Oh! That's disgusting! Hell yeah. What was I thinking when I took a job in this scummy rat hole? Genial. Oh, cool. Potion d'invisibilité. Watch your ass. Yep. What
You pushed me, you drunken piece of shit. Le mec qui fout bordel en deux-deux, quoi. Enfin, le mec, le gobelin, quoi. Thief! Raise the alarm! A thief got in! Alarm! Alarm! Get me out of here, damn it! Moi, putain! Oh là là. Hi there, I'm the new accountant. Putain, il lui a pris carrément le bras avec. Il lui a pris la valise avec le bras, quoi. I'm alive. This way. Come on. Move. Il n'y en avait pas plein d'autres derrière? On aurait dit des clones de lui, quoi. Ce maître voleur, quoi. La grande classe. Ouch. Ah, c'était une copie. Oui. Pas mal. Yes. Ah, voilà, c'est ça que j'adore, quoi. Let the pro do the hard work. Ah. Oh, ce piège bien placé. Smoking's bad for you, boys. Real bad. Ah ouais, putain, ils sont carrément. Et voilà, le cafard, au final, il a eu ce qu'il a voulu. Ah là 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 là. Eh ben, pas mal du tout comme, comme vidéo d'intro, quoi. Plusieurs décennies que les peuples de l'Empire luttent pour éradiquer l'invasion des gobelins, la peste verte. Contient-il, les humains ont créé des escadrons spécialisés. Hein, les carnages. Quand on a plus pour rien qui était Styx, qui vit désormais dans l'ombre du village humain d'Atlan, tout peuplé d'escrocs toujours. Une certaine renommée, forcément. Du nom des francs, on a récemment contacté. Sur mesure, dérober les coffrets contenant la solde des gardes. Ok, ok. Alors apparemment aussi, j'ai été très étonné parce que le jeu, je le fais tourner carrément en épic, donc je suis assez je suis assez surpris. Je m'attendais à moins. There's nothing left standing. Turned into a real shithole. Proud of your work. No wonder the greenskins ain't welcome around here. Gone, beat it, Rakash. Can't stand staring at your stupid face any longer. Ah yes. Ah, le personnage est toujours aussi bien foutu, quoi. Alors, atteindre l'arrière du bâtiment, ok. Déjà graphiquement, c'est super cool, je trouve. Rakash. Alors, hop, orienter la caméra. Ah oui, ça c'est vrai, c'est pour voir les pas. D'accord, donc Rakash te suit. Faudrait que je relise un petit peu l'histoire du premier. Ok, invisibilité. Donc ça, ça te pompe du pouvoir. D'accord. Ça remonte au fur et à mesure ou pas? Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le jeu. Ambre insuffisante. Ah oui, c'est vrai que ça marche avec l'ambre. Alors attends, il faut que je grimpe, à mon avis, au-dessus. Pour éteindre les torches. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. It's time to switch out the light, kiddies, or little meanie sticks will come and eat you. Qu'est-ce que j'ai pu galérer avec ça aussi avant, quoi. Tac. If I screw up, it's either squishy on the rocks or a dose of death by drowning. Au choix. I ain't the screwing up type. Au choix, au choix. Allez, go. C'est parti. Ah, y'a un coffre là. Pas de garde? Non, y'a pas de garde. Ok, donc ça c'est un truc que je peux faire. Ça c'est des choses que je peux casser. Je peux faire du bruit avec, il faut que je les évite. Toujours pareil, caché dans les coffres. Ok, 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 ok. Bon, on va essayer d'atteindre l'arrière du bâtiment. Donc ouais, on peut s'accrocher sur ça. Ça va, c'est assez intuitif pour vite arriver à reprendre
les choses en main, on va dire. Ok. Alors, il faut que je mette une chaîne. Sinon, ça va pas aller. En tout cas, c'est très joli au niveau de l'environnement. Ça mériterait peut-être une petite photo, même. Alors, attends, c'est tac. Et lâcher comme ça, ok. Que je capte bien les commandes. Parce que des fois, c'est ce qui peut justement te sauver, quoi. Donc, là, tac, je vois qu'on peut passer par là. Tac. Alors apparemment le jeu a pas reçu une bonne critique, il a été très vite évincé de la scène jeu vidéo quoi. Du coup je suis assez déçu de ce côté là quoi, je m'attendais peut-être à un retour fracassant de la licence. Et puis ça s'est pas passé comme ça, je trouve ça dommage. Hein. Apparemment l'IA a été encore aux fraises. Et c'est ce genre de truc qui m'a fait attendre. Alors, ok, donc là, je peux me servir de ça. Ah oui, d'accord. Alors attends, je fais ça. Ah oui, je fais LB. Ah ça peut être super sympa, ça. Ça peut être super sympa. Tac. Je sais pas si ça y était déjà dans le 1, les poignées de sable. Il me semble pas. Oula. Non, j'y arriverai jamais de là. C'est pas possible. Ah putain, je suis con. J'avais pas vu. Donc, ah, peut-être par la corniche, non? Non, même pas. Ah, voilà, par là. Ah, j'avais pas vu, quoi. J'y ai pensé, très fort, mais je pensais pas que c'était ça. Oh! Il m'a fait peur ce con quoi. Ok, de l'ambre brut, super. Alors apparemment aussi, il y a plein de manières d'arriver à l'objectif. Il y a vraiment plein de façons différentes d'y arriver. Ça par contre, les tests étaient unanimes quoi. Comme quoi les environnements étaient assez grands pour faire un peu ce que tu voulais quoi. Alors, normalement ouais, tu peux ramasser le corps et sûrement le cacher dans un coffre ou une connerie dans le genre. On peut regarder dans le trou de la serrure aussi. Ça par contre c'est dommage parce que du coup c'est avec le joystick droit que tu regardes. Donc du coup c'est un peu con. Alors, est-ce qu'il faut réellement que je passe par là? Ah merde, c'est par là où je suis passé tout à l'heure déjà. Quel idiot! Je m'attendais pas à ça. Essayer de remonter au même endroit. Hii, doucement. Bon, quand ça va, il s'accroche assez facilement au reste du décor, on va dire. Ouais, il fallait absolument que je revienne là pour choper la corde. To infinity and beyond. Car l'infini au-delà. Coffre par là, c'est mort. Aucune chance, bon, je crie comme un singe, il a dit. Alors attends, on va se déplacer de ce côté-là, quoi. Voilà. Ça va, je suis passé. Je suis passé. Ah, Carnage has begun training recruits. Well, this is gonna be short and sweet. How long will two against one take him? D'accord, ok, à couvert comme ça. Ok, on va essayer de faire les choses bien. Il est mort, le garde?
ou je rêve. Il est... Ah non, il a dû partir ailleurs, c'est pas possible. Ah voilà, il est juste derrière. Putain, je l'avais pas vu, quoi. Rack. Yes. Yes, du coup, ça sert à rien de le... Allez, hop. Ça va, il a pas l'air d'avoir entendu quoi que ce soit. Alors ça, c'est quoi? Arracher les avis de recherche. Attacking, reaping, neutralizing, and annihilating all goblins to be eradicated. C-A-R-N-A-G-E. Crappy name. They must have been paying the guy who wrote it by the letter. They're really scraping the barrel if they're recruiting here in Shitville Thoban. Given the scum that live around here, better tear down these posters. Otherwise, this little toilet of paradise will turn into a real stinking hell. Alors là, je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent me gonfler dans la zone, quoi. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Atteindre l'arrière du bâtiment. Et il fallait que j'arrache ça aussi, quoi. Je sais pas si c'est une mission bonus ou quoi. On va essayer de le faire quand même. Ça serait con de passer à côté d'un truc. D'accord, arracher 2 sur 8. Ça va, ça se laisse jouer pour l'instant. Oh, bon. Et ben voilà, ça s'est fait. Yes. Être ou ne pas être. La réponse est va te faire foutre. Ok. Oh, c'est pas grave, ça va. Allez, hop, première mort. Ah, oh, aussi, je suis arrivé comme un barbare. Je suis vraiment arrivé comme un barbare. On va y aller un peu plus en silence. Et ouais, en plus, je les vois de là, quoi. Ih, j'ai fait du bruit. J'ai fait du bruit. Bordel. Alors là, ça va être dur parce qu'ils sont là. Ah d'accord, je peux sauvegarder comme ça et maintenir. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Alors donc là, ça serait débile que j'y aille. See what we found during the last raid. Yeah, nice one. I was sure to disappear since the fall of Akinash. Me too. We'll make a ton of money out of it. I hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for? I hid it in the old secret room. The one behind the bookcase. Ça, ça me plaît, ça. Shh. Why not just shout it from the rooftops? Ok, donc caché derrière la bibliothèque, j'ai entendu. Il va falloir qu'on vérifie toutes les bibliothèques. Faut que je crée un clone, mais j'ai pas assez. Et ouais, j'ai pas assez d'ombre. Oula, il a pop d'un coup, le garde. Ça, c'était assez abusé, quoi. Ah, ça me fout un peu dans la merde, là, du coup. Hein. Parce que j'ai pas d'ombre, quoi. Il va falloir que je trouve une autre manière de passer, en fait. Ah, j'y arriverai jamais, là. Si je fais du bruit, parce que tout à l'heure, c'est ce qui a fait ouvrir la porte, en fait. Personne ne me capte. C'est dommage.
Putain, je suis dans la merde en fait, quoi. Bon, on va tenter. Ouais, mais j'ai pas assez d'ombre, Kiki. Je peux pas le faire. Ah, si! Si, si, je peux utiliser la fiole d'ombre, j'avais pas fait gaffe. Oh, that's a good one. C'est de la bonne. Fais voir, attends, on va se mettre là. Ou non, on va faire encore mieux. On va se cacher ici. On va créer un clone. You'll never get used to that. Et du coup. Oh! Ça, c'est de l'infiltration alors, quoi. Et du coup, on va aller. Je peux la décrocher. Ah, j'avais pas vu. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. J'ai failli tomber. It's a trap. It's a trap. Voilà, du coup on a fait la petite diversion. Et on peut passer. Ça c'est cool ça, on peut se cacher même sous la table. Y'a rien du tout par là. Allez go. Attends, je vais quand même regarder. Je rentre pas comme ça. Ok, petite sauvegarde. Gear on this bench looks usable. A few raw materials. I should be able to put together some nasty surprises. Ah, tu peux faire de l'artisanat, quoi. Pas mal. Fais voir. D'accord, ok. Alors, fléchette, fiole de vie, je peux pas. Ça, par contre, je peux faire des fléchettes. Ah, je peux plus en faire. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah, à travers la serrure, à mon avis. On peut pas refermer les portes? Putain, ça c'est con ça par contre. On va attendre peut-être qu'il se tourne. Ah voilà. Allez, tourne-toi. Tourne-toi. Allez. A little bit of burnt sauce is not bad. For me, at least. Mmh, ça, ça va te plaire, ça, je sens. Je sens que ça va lui plaire. Le vomi. Le vomi. Normalement, ça devrait bientôt lui prendre. Ah ben voilà. Okay. Ouais, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, quoi. Il tremble, s'il te plaît, le corps. Peut-être le placer dessous là, non? Ah, je peux pas le placer là. Je vais essayer de le placer dedans. It's my lucky day. Casket distribution list. Good luck to the fool who gets to even up the bill. Let's see if there's something useful around here. À la fameuse bibliothèque là. Pas encore. Là. Là, il faut que je sois un peu plus discret la prochaine fois, quoi, on va dire. Ah voilà, la bibliothèque. Il avait parlé du trésor. GG. Putain, heureusement que le jeu il m'a dit l'activer quoi.
C'est là que je vais la mettre dans la cave. J'aime bien parce qu'il a un humour vachement noir, quoi. Tu sens la violence du personnage et le fait qu'il soit aigri. J'adore ce personnage vraiment, quoi. Je le trouve terrible. Là, pour le coup, je crois que c'est Cyanide Studio. Pour moi, ce personnage, il est parfait, quoi. Ok, donc il y en a un qui fait dodo. On va y aller pépère, on va y aller. On va peut-être attendre qu'il fasse le tour, non? Voilà. Histoire de... Voilà, super. Nickel. Gavage, gavage, gavage. Bon, après, c'est que le début du jeu, on va se calmer. Ah, d'accord. Je croyais que c'était un objet ramassé, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pu éteindre la torche aussi, hein. je suis un peu débile, quoi. J'ai pas encore tous les réflexes du jeu, quoi. Faire tomber le lustre, j'aurais pu aussi, quoi. Il faut vraiment que j'analyse tout, quoi. C'est bien parce que il montre le champ de vision. Allez hop. Il faut pas être pressé dans ce jeu en fait. Surtout pas être pressé. Ok. On va faire tomber le lustre. Have you seen the posters? Carnage is recruiting. There are squads hunting goblins in other places too. It'd be a good way to get out of this shithole. I don't think I'm made for the job. Those things scared the hell out of me. Yeah, it's true. Excellent. You wouldn't last a day. And there's some real hard cases in the squads. The chandelier. Saboteurs, handy buddy. Putain, j'y crois pas, je l'ai raté, quoi. They can create carnage. Who could have done this? Got to get it out of here. Oh, they got taken out. Bon, on... peu importe comment je fais, mais j'ai réussi. Voilà. C'est mon plan aurait pu être mieux, beaucoup meilleur, on va dire. Non, franchement, j'aurais pu me démerder vraiment autrement, c'était pourri, quoi. J'ai vraiment fait ça à la salle, quoi. Mais bon, voilà, qu'importe comment on fait, du moment que ça réussit, c'est nickel. Je sais pas s'il y avait autre chose en bas, j'ai pas fait attention. Ah ouais, il y a une affiche. Ça serait con de pas la ramasser. Ah, un coffre. Ah, tiens. Du minerai. Ah, j'aurais pu empoisonner ça aussi. Le truc qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, tu vois toutes les gains, tu vois toutes les possibilités, mais qu'après, quoi. Tu dis, ah, merde, putain, j'aurais pu faire ça, quoi. Je pense qu'en fait, ce jeu, là où ça doit être appréciable, c'est quand tu le fais une deuxième fois, quoi.
C'est là que tu dois vraiment percuter et te dire putain, ouais, tiens, je vais faire comme ça la première fois, j'ai pas fait ça. Ça doit être vachement intéressant, quoi. Oula, là il y a du monde. Là il y a du people. Ok. Ok, c'est parti. On va rester là parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont aller se mettre. Pas obligé de les tuer, hein. Donc on peut très bien passer. Ah, the Silver Goblet. Used to be the best bar in this part of Thoban. Looks like the change of owner has brought in some not so fresh faces. J'attends peut-être qu'il passe en plein milieu. Je vais attendre. Putain, mais il fait peur ce con. J'étais persuadé que c'était un garde. Il n'y a pas d'interaction avec lui ? Non. C'est un gobelin, tout court. Là, je suppose. Non, même pas. Même pas, il est venu, quoi. C'est genre, non, j'en ai rien à foutre de ta vie. Him for everything that goes wrong around here. Sounds about right. Those filthy parasites are a pain in the ass, and there's too many of them. And if they start understanding what we say as well as wrecking the place, I don't even want to think about it. I'm not going to think about it. I'd rather just go and join Carnage before it happens. Allez hop. Alors en plus il y a plein de choses à récupérer. C'est la folie, quoi. J'ai cru qu'il y en avait encore un. Je suis chié dessus sur le coup. Call of booty. Yes. It's even better than a booty call. Bien mieux que l'appel d'une putain. Ça rime presque, quoi. Allez, hop. Alors, est-ce que c'était réellement nécessaire, ce système de craft comme ça? Parce que ça a l'air quand même un petit peu léger, hein, en termes de craft. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. J'ai pas l'air d'avoir grand chose, là.
truc qu'il y a, c'est que j'ai peur que ça le réveille en fait, le fait que je l'assassine. Oh, je joue ma vie là. Je suis en train de jouer ma vie. C'est beau ce que je fais là. Allez, hop, on décroche. Boum. Pas de porte qui s'ouvre. C'est bon signe. Il y a encore quelqu'un en haut là qui va descendre, qui va arriver. Ça peut être bon pour moi. Espérons que personne passe par là. Ok. Bon, je pense pas que quelqu'un fasse voir le corps. Il est vraiment très très bon le jeu, je trouve, pour l'instant, quoi. Franchement, je le trouve génial, quoi. Ah, ouais, c'est une option, mais... Ouais, c'est une option, pas mal. D'accord, ok. Parce que les tapis sont pris en compte, quoi, du coup. Pas mal, ça, aussi. Non, pas encore. On va peut-être attendre qu'il passe en plein milieu. C'est dommage qu'on peut pas faire d'assassinat aérien, quoi. C'est un peu con. Attendre qu'ils reviennent en bas. I thought I saw something. Heureusement, je suis arrivé à le rattraper. Tu vois, de trop attendre comme ça, quoi, au final, ça emmène à rien de bon, quoi. C'est en général, faut pas hésiter à faire les choses, quoi, dans ce genre de jeu, quoi. Il faut y aller à l'instinct, quoi, tout de suite, maintenant, quoi. Parce que là, au final, j'ai trop réfléchi, ouais, je fais ça, je fais pas ça, je fais ça. Ça m'a perturbé, quoi. Calmer. Normalement, il n'y a plus personne en haut. Du monde. Il est en train de faire les 100 pas. Hop. On va en profiter nous aussi. Ah ouais d'accord, il est pas tout seul. Il y a ses potes. Ah ouais d'accord, il y en a plusieurs.
déjà il a bougé. Toujours là. On la écrira pas. Qui se réveille pas d'un coup. Ok. Chercher la solde. Goblins don't know from the good things in life. Seems heavier than the others. Du coup, est-ce que ça sert vraiment que je passe par là? Il faut juste que je m'enfuis tout simplement. Mais soit alors. Enfuyons-nous. Tac. Enfin, attention qu'il y ait personne quand même, on sait jamais. Yes. I hear that Ambassador Arcidi's airship is on its way. What? Didn't he restock just a few weeks ago? Je pense que j'ai fait une erreur. That's the second time this month. There must be something going on for him to be back again. Maybe he's come to see the talking goblin. Hell's bells, you're really getting on my nerves with that bloody story. You'll believe anything anyone says as long as he talks loud enough. Ok, ça roule. Je peux passer par là et faire ça. Ok. Faut bien que je calcule mon coût. C'est parti. Ok, GG moi quoi. Il viendra pas. Il viendra pas. On va quand même aller cacher le corps. Je sais pas combien on peut en cacher dans la grosse malle. Je pense que deux corps ça doit le faire, non, là-dedans. Ça doit être assez. Ah non, putain, un seul. Putain, il est pas si grand que ça au final, le coffre. Quand même du monde. Ah, ça va. On est caché. Oh, il est facile à avoir quand même. Encore mieux. Oh. J'aurais mis la tête dans le feu, quoi. J'aurais mis la tête dans le feu, quoi, et je l'aurais égorgé. J'aurais fait encore mieux, quoi. Okay. Franchement, déjà, rien que cette zone, je la trouve immense, quoi. On a fait plein de choses, quoi. Je suis passé par plein d'endroits différents et tout, quoi. Il y avait plein de manières d'aborder le jeu, quoi. Ok, bah go s'enfuir alors. On est parti. Touk. C'était pas mal.
C'était pas mal. J'ai joué comme un cul, mais c'était pas mal. Pas mal. Alors, voler les documents, voler soldes, s'enfuir, ok. Secondaire, arracher toutes les affiches. Ah, merde. Putain, combien il m'en manquait? J'ai dû rater à pas beaucoup, non? Alarme déclenchée, moins 34. Putain, c'est pas marqué, non? Oh, ah, bah si, je l'ai. Arracher toutes les affiches. Pourquoi il me dit... Ah bah non, c'est bon, j'ai tout fait. Ok. Eh ben, on continue. La planque de Styx. Et tous les coffrets contenant un seul dégât, on a les retrouvés sans qu'on y arrive. Il fait un détour, sa planque, caché dans un recoin isolé de Tobin, ou de Phoben, je pense. Ah, back home. It's nice to get back to my good old hideout. Some may find the decoration a little crude. I got all the comfortable equipment I need right here. Let me show you around, my friend. Super bien fait le visage, quoi. Ah, du coup, sympa. Alors, compétences. My favorite workshop, where my experience allows me to become even more badass. Badass. Yes, yeah, it is possible. Ah, wow. Ok. Alors, je sais plus si c'était le cas dans le premier, l'arbre de compétences, mais furtivité, assassinat, chimie, clonage, ouais. Alors, furtivité. Pas mal. Ok, sans bavure. Ça, c'est pas mal aussi. Okay, deux fois moins bruyant. Ah, voilà, ça il me le faut, quoi. Je suis désolé, mais il me le faut. Ah, super. Ah, c'était obligé, quoi. Ça aussi, il me le faudrait. Alchimie, franchement, je dois avouer que je m'en fous un peu pour l'instant. Ouais, il y a l'air d'avoir. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses sympas. Hein. Pas mal ça aussi, parce que Styx est invisible, il ne génère plus aucun bruit, il peut leur courir sans risquer d'attirer attention. Ouais, mais seulement lorsque je suis invisible. Donc c'est un peu... Ouais. Il me le faudrait ça. Ah, putain, j'arrive pas à la sélectionner. Ah ben je peux pas, 200, trop, c'est trop. J'ai pas assez, je pense pour tout. Ouais, j'ai plus assez. Bon, c'est pas grave. C'est déjà ça. Ah, my workshop. With enough raw materials, I could build a shitload of stuff that would come in mighty handy in the right situation. Ouais, du coup, on va faire des fléchettes. Oh, il y a l'air d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trucs qu'on peut crafter. Mouais. Bof. On va voir ce qu'on peut créer d'autre. Parce que bon, là, pour l'instant, les fléchettes, ça peut être utile. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir des bombes fumigènes, des conneries comme ça, à tous les coups. Quoi. This cupboard could fill right up with anything I need to change my style of dress. Allez, c'est pas vrai. Jure qu'on peut... D'agressement forgé, hein, ta. Ah, bien, si on peut lui changer les habits, c'est excellent, quoi. Oh, putain, ce serait tellement bon qu'il déshabille à la con, quoi, pour pouvoir le fringuer. Hein. Ah, ça serait super. On a pas une salle au trésor ou un truc comme ça? Ce serait trop cool. Here's where we write the story, or where I rewrite it. Ok, donc là, tu vois toutes les missions, prologue, etc. Ok, ouais, en fait, la base est très sommaire, quoi. Il n'y a rien de... Ils auraient... Franchement, ils auraient pu faire mieux. Hein. Pour un maître voleur, ils auraient pu quand même développer la base un peu plus...
rajouter un peu des trésors qui traînent, des trucs comme ça. Ça fait vide au final, il n'y a pas grand chose quoi. Il n'y a pas grand chose. Je trouve ça dommage ça par contre. Ils auraient pu un peu plus développer la chose. C'est tout bien et bien, mais j'ai un contrat pour finaliser avec cette salty old fart Ephron. No doubt he's hanging around that beat up tavern east of Thoban. C'est parti. Ouais, Gredin attend dans une vieille auberge abandonnée. C'est. Ok. Ça va être chaud. Je sais pas jusqu'où va aller le scénario, c'est juste un enchaînement de missions quoi. Normalement, ça devrait se faire petit à petit, je pense. Voilà. Faut vraiment activer la vision quasiment en permanence dans ce jeu parce que. Thoban. Slum, rotting corpse with perfume sprinkled on it. Goblin plague has ripped this place a new butthole. Now it's just a wet, stinking shanty town for scumbags. Ouch. This vessel belongs to Ambassador Arsini. It's about the only thing still in working condition in Thoban since the Green Plague. What goodies are inside that thing? Du pognon. But for now, let's focus on me getting laid. Ah, paid. Ok. Lapsus révélateur ou pas. C'est beau. C'est très joli. C'est très joli. La construction et tout. Ça fait à la fois c'est très joli et à la fois c'est très fade en fait. C'était l'impression que c'est. C'est à la fois très joli, à la fois très moche. C'est comme un gobelin. Je saurais vraiment pas dire quoi. C'est. En tout cas, ça a l'air grand. Il a l'air d'avoir vraiment plein de possibilités, plein de trucs pour grimper. Ça a l'air vachement cool. Allez, go. Fucking Carnage poster. I'm gonna tidy this place up. I always hated ads. Ah, on peut glisser aussi. I always forget how. Ravaged this part of Thoban. Ah oui, non, ça a l'air grand, vraiment quoi. Ça a l'air super grand. Oh! Ok, on va se calmer parce que je viens de me bousiller la vie quoi. Place before the plague got a grip on it. This district used to be as busy as a whorehouse on payday. Putain, ils insistent sur les putains et le bordel quoi. C'est chaud. Je crois que j'ai vu un garde à l'intérieur. Ah non, c'est Fred. D'accord, tout simplement. Hop. See you next time, Stix. What? If you get something? Oh merde. Oh merde. Carnage Squad. GG. I've got a deal for you, Goblin. My name is Styx, human. So you speak our tongue. Yeah, and I can also cut yours out. You speak to Captain Heledrin with respect. What's the deal, Captain? I want you to steal an ambassador's scepter. There'll be 10 times more if you help me, Styx. 10 times, huh? The ambassador must be snug up there in his flying palace. So either I gotta learn how to fly, or I gotta find a way to get on board the airship that just arrived. Then I'll just have to sit tight until it joins the rest of the fleet. Alors là, tu vois, j'ai du mal à comprendre qu'on me demande de faire un truc, mais pourquoi? Bah, je comprends pas pourquoi il accepte en fait.
C'est on dirait qu'il manque une partie de la cinématique. C'est je veux bien aller faire la quête, mais pourquoi je devrais aider un escadron qui tue les miens et qui accessoirement va me tuer, quoi. Enfin, je leur fais pas confiance de base, donc pourquoi j'accepte? Enfin, du moins, pourquoi j'accepte aussi facilement? C'est bizarre, quoi. Ouais, bizarre, bref. On va continuer à jouer, de toute façon, c'est pas... Mais c'est un petit truc que je relève quand même, quoi. Je me dis, merde... J'ai pas compris. J'aimerais bien que les corniches ou quoi soient aussi allumées, on va dire. Parce que du coup, des fois, j'arrive pas à savoir par où je peux grimper ou pas. Après, ça va, quoi. Je suis pas bête, quoi, mais bon. À moi. Well, this is where the shitstorm begins. A shitstorm for anyone who gets in my way. Ouais, voilà, je préfère. Ah, il y a encore des affiches. The architecture of this town. What is that? Early fucked up period. I could almost believe that it was all designed to make my job easier. No wonder that the goblin plague is so devastating. J'avoue que c'est n'importe quoi l'architecture de la ville, quoi. C'est con parce que le gameplay du jeu il marche quand même plutôt pas mal, quoi. Why did you cover up these stalls? You scared of thieves? No, it's because of the goblins. One of them vomited on some of the cargo. We realized it a bit too late. A customer ate one of the fruit. He threw his guts out. Yeah, puked up everything he had, and then he died. Then and there. Sad end. Well, I've still got things to do before going to sleep. See you tomorrow. Oula, 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 oula. Il ouvre la porte, il ouvre pas la porte. Non, il ouvre pas la porte. On va voir si on peut passer par en haut. Ah, on peut passer bloqué, super. Ça pue. Je vais me faire opérer. Putain, j'ai eu du cul. Parce que normalement, il aurait dû me repérer. Putain. J'ai un cul, mais de ouf, quoi. Je joue très mal au jeu, quoi. Même moi je le reconnais là pour le coup. Je suis bidon, quoi. En plus vraiment l'IA est nulle, quoi. Elle est vraiment pourrie, quoi. Une fois que t'as compris un peu les déplacements, les trucs comme ça, ça va, tu peux enchaîner, quoi. Sur 11. Ouais. Ok, ok. Those militia bastards, they've blocked access to the warehouse. Yeah, I saw. They've lowered the gate. They're scared we'll butcher them to get our stuff back. Cowards. Oh, lui, il m'a même pas calé. This rotten town. If it's not the green plague laying waste to our homes, it's the corrupted guild eating all of our profits. I really need to think about getting out of here. I saw a carnage poster before. Is that a sign?
Ouais, l'IA est vachement au rabais. Normalement, le mec, il aurait dû me caler. Regarde où je suis. Il aurait dû me voir rentrer par la... par la vitre, quoi. C'est un peu abusé, clairement. Enfin, après, moi, j'ai pas à m'en plaindre. Ouais. Ça fait mon bonheur, quoi. Je sais pas si je peux... Ok. Des fois j'ose pas trop. Mais je devrais. Get the stalls ready for the morning. Well, the same crap as yesterday. Ça a l'air de gêner personne. C'est cool. So the gate is closed all night? Yeah. Nobody is allowed near the warehouse. Not everybody seems happy about that down there. Fuck 'em. The warehouse guys want to take care of their business without being disturbed. None of these scruffs gets through. Il faut que j'aille tout là-bas. Ça va pas être totalement easy. Est-ce que je peux passer directement par le toit à la limite? On risque de rater peut-être plusieurs choses. Convenient pile of straw. Where am I supposed to jump to? I take my orders from the guild. Now go home. Cette référence à Assassin's Creed, quoi, mais trop bien, quoi. Well, the same crap as yesterday. Ah, ça va, je me suis gavé. Je pensais que j'allais pas le choper, mais si, si. Par contre, il va y avoir un souci, il va y avoir une corde. Ils vont sonner l'alarme, je pense. Oh putain, il y a tout. Y a tout le monde qui s'est ramené, quoi. Ils vont renforcer la garde, non? Les gars, y a quand même un mort, ça vous choque pas? Vous renforcez pas la garde ou quoi? Il va remonter vite. When it will get repaired? Not tomorrow. Anyway. Shit. Well, it looks like it's the Queen of Spades tavern for us. Les gardes sont totalement aux fraises. So, first time in Thoban? Yeah, I'm from Wilduran, the hunter's village. I heard that the greenskins were sold there. Yeah, you see it more and more. Hey, your town looks to be in bad shape. It's the damned goblins. Not only do they bring in diseases, they destroy everything around them. A
bit like rats, right? Oh no, a lot worse. Believe me, it's been like this for decades. Nobody even remembers what life was like before. Ok. Oh la merde. Je me suis gavé quoi. Oh cette évasion ninja quoi. Méchant quoi. Attends, je vais attendre que ça se calme un peu parce que... Regarder dessous aussi quoi. Oh ça pue pour mon cul, ça pue pour mon cul. On your best là. Death compilation. Génial ça. T'as streamé ça quoi. Ah pas mal. Pas mal du tout quoi. Je m'y attendais pas quoi. Ça va, j'y donnerai son pourcentage. Promis quoi. Ah excellent quoi. Bon j'aimerais bien finir cette mission quoi. Hey, where's my convenient pile of straw? Where am I supposed to jump to? Attends, j'ai fait tellement carnage quoi. Je vais essayer de passer par un autre endroit, c'est pas possible là. Oh là là. Ah, là c'est Nawak là. Je vais me laisser tuer. How about this? I'll come out there and take the controller, and you come in here and die painfully. Ils ont dû en faire plusieurs de phrases comme ça parce qu'elles sont excellentes, quoi. Chez toi, je prends la manette et tu meurs à ma place. Hey, where's my convenient pile of straw? Where am I supposed to jump to? Boom. Okay. I'll take care of it. Phew, gavage. Dernière seconde quoi. Putain, il va venir me gonfler lui, non? Maybe it was nothing after all. Ouais, je suis en plein milieu de la lumière, normal, tout va bien. Je me presse trop quoi, ça me gonfle. Hey, where's my convenient pile of straw? Where am I supposed to jump to? Putain, pourquoi je vais me foutre là-haut encore en plus? Nothing to report. Maybe it was nothing after all. Maybe it was nothing after all.
Nothing to report. Maybe it was nothing after all. Putain, c'est la merde. Je passe par 20 milliards d'endroits différents, c'est ridicule. Oh oh. Oh oh. Putain, il m'a vu. Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. Bon, du coup, c'est bien, ça me permet de voir qu'il y a plein de phrases préenregistrées. C'est cool. Oh, putain. Faut que je me concentre. Tout à l'heure, franchement, j'avais sorti vraiment une très très bonne méthode, quoi. Putain, dégage toi. C'est parti. I heard that the Grand Portcullis was out. Wow, comme ça pompe. Do we know when it will get repaired? Ça pompe à bloc quoi, l'invisibilité. Shit. Well, it looks like it's the Queen of Spades. First time in Providence. Yeah, I'm from Wilduran, the Hunter's Village. I heard that the greenskins were sold there. Yeah, you see it more and more. Hey, your town must be in bad shape. It's the damn goblins. Not only do they bring in diseases, they destroy everything around them. A bit like rats, right? Oh no, a lot worse. Believe me, it's been like this for decades. Nobody even remembers. The Gill, the rotten liver of this town. Anything that goes through Thoban passes through their hands. The traders doing business here are all pirates, thieves, and cutthroats. I love it! J'hésite à faire un truc stupide. Mais genre vraiment stupide. That's it. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Putain, je suis fané parce que franchement, ah, le bug est toujours là, tu me dis. Pourtant, moi tout à l'heure, j'ai lancé la partie, il n'y avait pas de problème sur Sea of Thieves, mec. Il n'y avait pas de soucis. Ah, ça va, il m'a sauvegardé là, j'ai eu peur. Ah, le gamer pass, d'accord, ok, j'ai pas compris. Oh là, il y a trop de monde là. Ça le fera jamais là. Oh putain, c'est pas vrai ça. Bonne nuit mec, ciao ciao.
Ok, passage secret, super. C'est là, j'y crois pas, quoi. Allez, casse-toi, quoi. Dégage. Ok. Yo, sanglier, ça va ou quoi, mec? C'est Styx. C'est le deuxième. Le premier était très très bon, c'est un jeu d'infiltration, en fait. Où tu joues un maître voleur gobelin, quoi, en fait. Et là, il faut que j'atteigne l'aéronef qui est juste au-dessus de moi. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas fastoche. Je sais pas si je vais me faire caler. Les choses ne sont pas si bonnes avec les Carnage Squad. Pourquoi dis-tu ça? Apparemment, le job ne paye pas. Les loading bridges sont plus importants. Je suis un ship. C'est comme ça. Il doit y avoir un autre bâtiment dans notre ville. Nous sommes loading les airships tonight. We should do it too. It's gotta pay more, and you won't be meeting many goblins up on the surface. That's exactly what I need. I just gotta slip inside, and they'll ship me with the rest of the goods. Ouais, mais c'est là, c'est le deuxième, et franchement, il est juste excellent. Et en plus, il est assez dur. Putain, j'ai raté la blague sur la princesse, quoi. ça avait l'air sympa. Du coup, tu as même leurs angles de vue en fait quand ils regardent. Je vais me faire caler, je sens. Vite, 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 très vite, très vite, très vite. What the fuck? I guess this won't work anymore. They're not gonna load anything after this alarm. To be skilled. Or not be scared? Oh. That is the question. And fuck you is the answer. Putain, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou. En plus, il était de dos, quoi. J'aurais pu l'avoir 20 fois, quoi. Ça m'énerve. Ah non, je vais encore tout recommencer. Non. Non. Ah non. Oh putain, je vais jamais y arriver. Hey, listen, there's no need to be ashamed. I'm not gonna tell anyone if you put the level of difficulty down. J'en ai marre de ce jeu, quoi. J'en ai marre. Cours. Et ouais. Tu vois, tout à l'heure, franchement, mon plan, il était parfait. J'étais monté, j'avais grimpé, j'avais fait les de très belles choses. Et là, je rejoue comme un abruti, quoi. Oh là 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 là. Je me déçois, quoi. Ouais, mais t'as plein de trucs. Tout à l'heure, il disait, ouais, tu sais quoi, on va faire un truc. tu poses la manette, je viens chez toi, je prends la manette, et toi, tu meurs à ma place, quoi. Ça m'a fait rigoler, quoi. Oh, je sais pas si par là, ça sera mieux. Yeah. Par contre, c'est super lab. Oh, putain. Newsflash. The jump button is not located between your ass cheeks. Maybe it is for you, I know. Ah, comme il se fout de ma gueule, quoi. Ouais, et encore, t'as rien vu, parce que là, c'est plutôt sombre. Mais après, il y a des levels qui sont très très grands, en fait. Et normalement, tu dois aller d'un point A à un point B, en remplissant plusieurs objectifs. Et t'as vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de manières de... justement, de t'y rendre. Tu sais, c'est un peu comme le jeu FIF. Qui était sorti, et même le remake qu'ils avaient fait. Et franchement, c'est texto la même chose, quoi. Il faut. Tu peux vraiment passer par plein d'endroits différents, quoi.
Alors normalement j'ai des sorts que je peux utiliser, genre l'invisibilité, etc. quoi. On va crafter une fléchette. J'aurais dû m'en servir tout à l'heure quoi. On va repasser par là. Là c'est un plan qui avait bien marché tout à l'heure là. Oh non! Putain j'y crois pas, la haine! Putain, tu veux pas avoir les glandes sans déconner hein. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. Ah ça rend fou. Ça rend trop fou, je te jure. Et ouais, il faut faire vraiment attention à tout, monter petit à petit, tu vois. C'est... oh là là. Alors où est-ce qu'il m'a sauvegardé? Il m'a encore sauvegardé là. Je vais attendre qu'il bouge. Je suis déprimé, je te jure. Je pète un câble. Allez hop, on recommence. Ah, ça va finir par rentrer, c'est sûr. Après, le truc qu'il y a aussi, c'est que t'es trop pressé en général dans ce genre de jeu, quoi. Enfin, moi je sais qu'en général, c'est ça, quoi. Ah, je peux pas passer par là? Ah, regarde. Alors, on va y aller doucement parce que je sais pas ce qui se trouve. J'ai pas envie de me faire caler encore. Putain, j'ai eu peur qu'il me pisse sur la tête quoi. N'empêche, comme j'aurais trop rigolé quoi. Le machin il te pisse sur la tête quoi. Ça aurait rajouté un côté vachement drôle encore au jeu quoi, tu sais. Après t'es un maître d'infiltration, hein, t'es obligé d'attendre, sinon tu te fais caler quoi. Things aren't so great with the Carnage Squad. Why do you say that? Tu sais, j'imagine trop le personnage avec les oreilles qui tombent sur le côté. Oh là, ça va être chaud là. There's gotta be another way to get on board too. It's got a chest, and it's exactly what I need. I just gotta slip inside, and they'll ship me with the rest of the goods. I might even have time to take a nap. D'accord. La cloche, les tonneaux. Ouais, ça va être rock'n'roll. Where's the airship headed? We're loading it with supplies. Il y avait un autre garde aussi à côté. He's some sort of aristocrat. The kind that wants the very best without caring about the price or where it came from. Our favorite kind of customer. Ah, si, je taffe demain, quoi, mais là, je prends un peu de liberté en ce moment, sinon j'arrive pas à tout faire. Entre les Warhammer que je suis en train de monter, plus bah, être avec un peu ma copine, etc. Sinon j'arrive pas à tout faire à la fin, quoi, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je me couche en général vers minuit, une heure, là, sinon j'y arrive pas, quoi. Allez, go. That Haladrin better not have been alive. She's gonna end up in a box. But hers will be buried in the mud. Ouais, comme tu dis, c'est dur de tout caler. Puis en plus, tu veux faire un peu plaisir aussi aux potes. Passer voir un petit peu leur stream vite fait, etc. Et c'est toujours compliqué, tu vois. Alors encore, ça va, j'ai la chance, tu vois, au taf, je peux mettre le stream derrière. Histoire un peu d'aller voir ce que fait chacun, d'aller voir un peu les lives qu'ils ont fait ou quoi, les rediffs. Et c'est vrai que c'est pas fastoche, quoi. Bon. Ok. Super.
Alors il faut que je récupère le sceptre d'une personne importante dans l'aéronef. Je pense que ça va être chaud là. La bande son est très sympathique aussi. Where's that scepter? Là en plus on est dans les airs, ça risque de pas trop rigoler. On va carrément détourner l'aéronef. Je peux pas passer par au-dessus là, il n'y a pas une entrée. Pas d'entrée. Là, j'ai failli tomber carrément quoi. Imagine la loose quoi. For the stealthy approach, I'm gonna have to get rid of the pilot and take control of the airship. Here I come! Like a cockroach. En plus, j'ai même plus de pouvoir. Extra cheese, please. Ça risque de prendre du temps. Ah là là là, il faut que je joue mieux que ça, hein. Sinon ça va pas le faire. Ah ben j'aurais pu passer par là en fait, hein. Soit dit en passant. Bon, le truc qu'il y a, c'est que je peux atterrir sur les tapis sans. Ouais, c'est chaud, c'est très chaud. Tu peux atterrir sur les tapis. Et du coup, tu fais pas de bruit en fait. Et pareil, il faut jamais laisser les corps, un peu comme dans The Hitman, tu vois, il faut aller les cacher. C'est toute la complexité du truc. Et après, du coup, tu peux faire des objectifs secondaires, genre ça. Now I just gotta wait for the pilot to hear about the new flight plan. Tac, on va se cacher là. Ah, il arrive. Donc là, il va lire le nouveau plan de vol, j'imagine. Allez, on va le suivre. C'est la première fois que je le fais quoi. Mais le 1 était vachement dur parce que l'IA était complètement aux fraises. Elle faisait n'importe quoi et des fois elle te voyait alors que tu étais vraiment caché dans le noir. C'était un peu ridicule quoi. It's come through, sir. We have orders to approach the convoy. Okay, let's go. That's it. We're moving. I'm coming for you, RCD. Je sais pas si ça a fonctionné. D'accord, donc là il y en a un. Là il y a lui. En fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai peur surtout de lui. Oups, that guy looked important. It's always a human that doesn't know how to stay put. And I'm once again, I'm gonna have to do all the work myself. C'est bon, de toute manière. Personne n'a rien entendu du coup. Par contre,
contre, ce qui me dérange, c'est un petit peu lui là. J'ai failli me faire gruger mes d'entrée quoi. Bonne nuit mec, merci d'être passé en tout cas, ça fait super plaisir. Merci beaucoup mec. A bientôt, au travail, bien demain. Ciao ciao mec. Bon courage. Right on target. Then again, you'd have to be as blind as a Roby to miss a target of that. Wow, what a view. It's in these moments of wonder that we realize how great. Merci mec. How small we are. Although in my case, there is no shortness of opportunities to appreciate my shortness. See what I did there? J'adore ces réparties à chaque fois, elles sont juste énormes. Je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre ça. Je peux passer par là directement. Ça sera plus sûr. J'ai pas envie de tomber comme un abruti. Servir à boire là. On peut empoisonner la... On peut empoisonner le tonneau au pire. Je me disais bien, il y a quelqu'un d'autre derrière. On a tué tout le monde d'abord, c'est bon. Ugly mug, you can't blame him. Now, speaking of old High Pockets Heledrin, I wonder what she'd give me for the insignia of these three deserters. Only slightly used and a little bloodstained. Putain, s'il vient me chercher, je suis pas dans la merde. Ah, ça va. Oh, j'ai eu du cul. Oh, comme j'ai eu du cul, quoi. Je pense que ça a pas duré, mais...
l'autre, lui, il me fait peur, là, celui qui est en train d'arriver, là. Nothing to report. So now what? I'm gonna crash in singing happy birthday? Sneaking into the little trapdoor above the entrance is more my style. Ah, voilà, exactement, j'avais pas vu. Ok. Super. Ah, élément inattendu. Get out. As you wish, sir. You seem to have grown even smaller, little mouse. The hell with you and your bullshit magic. A talking goblin, eh? Yeah. I can talk. Fuck you! Can you change into a sandwich? Let's get lunch. Your resistance is remarkable. Nothing personal. Oh. So you're using amber, are you? In fact, it is personal. Scepter where the sun don't shine. Oh là 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 là. Ça va être le bordel.
accéder à l'autre étage. Peut-être par là. Oh non. Sincèrement. Sérieux quoi. That's it. Game over, man. Putain, je pensais qu'on aurait pu, on aurait pu l'attraper, quoi. C'est dommage, quoi. Putain, du coup, ça m'a fait foirer mon infiltration, la con. Déjà que je suis pas bon, alors si en plus le jeu il m'aide pas, on va pas aller loin, quoi. Putain, je suis où? Il m'a remis. Ah non, il m'a remis là, quoi. J'y accède. Yes. Je me suis dit, il va me voir. Ouais, ça change pas le problème. C'est pas le bon endroit pour ça, quoi. Clairement pas le bon endroit. Je me demande si je ferais pas mieux de sauter jusqu'en face pour... Ça me fait chier clairement quoi. Oh, sérieusement, sérieusement. Ordering a double pepperoni pizza with extra cheese, please. This is gonna take time. Bon, en tout cas, je sais par où il faut passer maintenant quoi. Je sais pas s'il m'a fait une sauvegarde automatique. Ça, c'est laborieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment laborieux. Allez, on recommence. On
ça va, je pense pas que ça soit si dur que ça en fait. C'est vu que l'environnement est quand même assez conséquent. Du coup, faut vraiment expérimenter pas mal de choses quoi. Normalement les deux gardes arrivent. Tiens, avant ils se suivaient quoi. Putain, jure qu'il a bugué. Putain. Ah, j'y crois pas, il a bugué quoi. Regarde-moi ça. Chaque jour sa peine. Voilà. On s'en sort quand même. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, vas-y, casse-toi. Voilà, super. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai perdu FPS là, d'un coup. Le jeu il a ramé, je sais pas comment. Bon. Shape shifting elf and a thief. Well, I hope that Haladrin will believe this. C'était super dur, vraiment. C'était vraiment super dur quoi, parce que le level est vraiment très grand. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Et du coup t'as plein d'objectifs qui apparaissent et tu sais pas vraiment où te diriger, comment faire. C'est en tout cas les environnements sont excellents quoi, vraiment. Tu peux vraiment passer par plein d'endroits, prévoir plein de plans d'assassinat. Non pour moi c'est une licence phare hein, au niveau de l'infiltration quoi, vraiment pas mal quoi. Bon, par contre on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 1h du mat et que je travaille demain. Voilà, sauvegarde réussie et du coup on continuera je sais pas quand. On verra. Bon allez, sur ce, ciao. Donc, de gros bisous, on a fait 8% du jeu et je vous dis à la prochaine.